Emily Cooper? Bonjour. Bonjour. Oh my god, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. It's a beautiful day in Paris. You, bold woman, unafraid to take on the world. Vous avez regardé, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel Paris ça se passe? Parce que je crois que j'habite à Paris mais pas dans la même ville. C'est pire que ce que j'avais imaginé. Your magnificent chambre de bonne. C'est pas une chambre de bonne déjà, hein? Il me semble qu'il fait 20 mètres carrés, donc on est plutôt sur un studio. Il y a rien qui est réaliste dans sa façon de vivre, mais vraiment pas du tout. Elle prend jamais la métro, elle quitte jamais des alentours très stricts de son quartier. C'est pas anodin. Toute cette accumulation de clichés, et je pense que c'est pas tant le fait que ça soit pas très très réaliste, parce que à la limite on pourrait y avoir une série qui embellit et qui pousse un peu loin, ok, mais au moins montre quand même un minimum de ce que fait Paris, une ville chouette, dynamique, diverse et intéressante, et c'est pas que le côté vieux Paris. Et surtout, au moins garder quelques poubelles, enfin, je sais pas. Alors là, on est à la place de la Bastille. On voit beaucoup de voitures, alors que dans la série, on voit quasiment pas, ce qui est très bizarre. On voit des gens en vélo, qui portent des masques, qui portent des casques, qui portent tout type de vêtements. Et surtout, je vois pas de talons aiguilles déjà. Donc là, on voit des déchets aussi par terre. C'est quand même pas la ville parfaite. Qu'on espère avoir, hein. En fait, c'est comme si on veut totalement effacer le côté réaliste de cette ville pour préserver des fantasmes. Mais pour moi, la vraie ville fait rêver autant que la carte postale. Donc pourquoi pas le montrer ?